Bonsoir, toutes nos excuses pour le retard pris dans notre rendez-vous de 18h30 pour des motifs techniques sur TV Plus Madagascar et merci de votre fidélité indéfectible et je vous invite à suivre sans plus tarder les titres de ce soir. Suite au Conseil des ministres du 23 février 2022 et dans le cadre de la réouverture des frontières malgaches relatives à l'extension des vols commerciaux, à partir de ce jour, les ministères concernés réitèrent le maintien strict des mesures sanitaires au débarquement, comme le confinement obligatoire à l'arrivée jusqu'à l'obtention du test du PCR négatif. Face à la situation sanitaire dans le pays, un médecin démettre son avis selon lesquels trois scénarios probables pourraient se dessiner après l'atteinte du pic de la troisième vague de la Covid-19 à Madagascar. En effet, il se pourrait qu'une quatrième vague ressurgisse, qu'un nouveau variant apparaisse ou encore une faible propagation de la pandémie se produise. La déclaration des députés du groupe parlementaire sur le fait d'inciter les collègues à appliquer la prescription de l'article 103 de la Constitution relatif à une motion de censure a suscité l'attention des politiciens. Ainsi, selon l'analyste politique Tovnar Lambay, une motion de censure peut très bien se faire même en dehors des sessions ordinaires. 10 jours après le début de l'invasion russe, plus d'1,2 million d'Ukrainiens, dont des enfants, ont fui le pays. Et plus en plus de l'exode massif, beaucoup d'enfants ont été blessés et tués depuis le début de la guerre. Suite au conseil du ministre du 23 février 2022 et dans le cadre de la réouverture des frontières malgaches relatives à l'extension des vols commerciaux, à partir de ce jour, les ministères concernés réitèrent le maintien strict des mesures sanitaires au débarquement, comme le confinement obligatoire à l'arrivée jusqu'à l'obtention du test du PCR négatif. Les aéroports concernés par la réouverture des frontières et agréés pour recevoir des vols commerciaux sont les aéroports d'Antananarivo, de Tomasne et de Nousbé. Explication. Madagascar accueille à partir de ce mois de mars la compagnie Air Austral sur les liaisons Réunion-Antananarivo-Réunion et Réunion-Tomasne-Réunion deux fois par semaine. Nousbé peut accueillir des vols charters. Les vols opérés par Neos Air débuteront en avril avec des vols hebdomadaires pendant les deux premières semaines et pourront être prolongés à deux fois par semaine par la suite. La dite compagnie a déjà déposé un programme auprès de l'aviation civile de Madagascar, ACM. Pour les autres compagnies prêtes à desservir Madagascar, des échanges sont actuellement en cours pour pérenniser l'ouverture des frontières. Elles commenceront la desserte après quelques réajustements. Les mesures sanitaires sont inchangées. Présentation des résultats négatifs d'un test PCR 72 heures avant l'embarquement. Présentation d'une attestation de réservation de 2 nuitées émanant d'un hôtel agréé et paiement au moins d'une nuitée. Réalisation d'un test PCR à l'arrivée à Madagascar à la charge de chaque voyageur, confinement obligatoire jusqu'à l'obtention du test PCR, libération du passager si résultat négatif, traitement dans un hôpital agréé ou d'un hôtel médicalisé pour un résultat positif. Le processus d'élimination des déchets médicaux à Madagascar ne respecte pas les normes. Cette situation complique la lutte contre la Covid-19 dans le pays, selon le directeur général d'un organisme œuvrant dans la protection socio-environnementale. En effet, ces déchets issus des équipements sanitaires utilisés dans le traitement des malades atteints concernés par le secteur environnement ont été formés afin d'assurer un traitement approprié et des structures adéquates de ces déchets médicaux. Reportage de Antal Larsou, image Omega Renevzon.
L'insuffisance de matériel permettant de détruire suivant les normes les déchets médicaux reste un éternel problème à résoudre pour les centres de santé dans toutes les régions de Madagascar jusqu'à présent, selon les formateurs issus d'un organisme œuvrant dans la protection de l'environnement. À part la pollution que cette situation génère, un risque de propagation des maladies, dont essentiellement la COVID-19, est aussi à craindre. Sur le COVID-19, on a l'utilisation de matériels médicaux, de seringues, de déchets médicaux, de produits qui peuvent se déverser dans la nature, qui peuvent avoir un impact non seulement sur l'environnement, mais sur les populations, les travailleurs, et même la transmission de maladies, si tous ces éléments-là ne sont pas gérés de manière responsable selon des normes internationales. Les agents de santé devraient donc effectuer une élimination adéquate de ces déchets médicaux. Les centres de santé vont par la suite bénéficier de matériel approprié pour pouvoir incinérer les déchets médicaux. Pour assurer un traitement approprié et une destruction adéquate de ces équipements et des déchets médicaux donc, les ambulanciers, les directeurs du volet environnement du ministère de la Santé publique ont bénéficié de formations dans ce sens. Et face à la situation sanitaire dans le pays, un médecin a d'émettre son avis selon lequel trois scénarios probables pourraient se dessiner après l'atteinte du pic de la troisième vague de la COVID-19 à Madagascar. En effet, il se pourrait qu'une quatrième vague ressurgisse, qu'un nouveau variant apparaisse ou encore une faible propagation de la pandémie se produise. Toujours est-il que la vigilance est de mise, quelle que soit l'évolution de la situation. Reportage Myriam de Boulaz et Arfidi Rakoutoumanal. La situation actuelle démontre que le pays a dépassé le pic des contaminations à la COVID-19 dans cette troisième vague, à vue de la baisse du taux des nouvelles contaminations. Toutefois, le respect de tous les gestes barrières et sanitaires devrait toujours être obligatoire, d'après un médecin. Ce dernier de supposer que trois éventualités sont désormais à craindre après l'atteinte du pic de la troisième vague. Le premier scénario serait l'évolution de la maladie vers une quatrième vague d'ici 8 à 10 mois, ce qui serait fort probable dans la mesure où la pandémie est récurrente sur le laps de temps. Par contre, une deuxième éventualité présage également que le coronavirus devienne une maladie courante. Et enfin, il est aussi possible que la situation donne naissance à un nouveau variant, mais dans tous les cas de figure, il est toujours important de se protéger en respectant tous les gestes barrières et les règles sanitaires. Les patients sont également incités à consulter immédiatement les centres médicaux en cas de besoin. De même pour la population qui est appelée à se conformer à la vaccination. Politique. La déclaration des députés du groupe parlementaire Team d'hier sur le fait d'inciter leurs collègues à appliquer la prescription de l'article 103 de la Constitution relatif à une motion de censure a suscité l'attention des politiciens. Ainsi, selon l'analyste politique Tovner Alamay, une motion de censure peut très bien se faire, même en dehors des sessions ordinaires. Ces députés Team doivent juste obtenir l'aval de la moitié des députés. Ces derniers auront ensuite 48 heures après le dépôt de cette collecte de signatures pour entreprendre un vote qui requiert 2/3 des voix des députés. Narijatine, Fitch, Adjemanazar. Au plan constitutionnel, une motion de censure est toujours valable et les conditions sont que la moitié des députés signent la demande de motion de censure et elle le dépose à l'Assemblée nationale et 48 heures après le dépôt, on peut passer au vote. Donc, voilà pour le droit. Pour la politique, c'est un test que le team fait à l'encontre des députés qui sont déjà très récalcitrants et très critiques envers le président et le gouvernement actuel, à savoir le député Rossi, le député Brunel, le député Roland Lazirek, le député Sitène, les députés IRD, mais à l'origine à vie, ou MMM, qui sont vraiment très critiques. La question est, oseront-ils signer la demande de motion de censure ou ce sont juste des critiques dans le vent? Deuxièmement, sur le plan changement de constitution, la constitution actuelle est très sévère car il faut vraiment la moitié pour déclencher une motion de censure alors que les constitutions précédentes n'exigeaient pas autant.
Et troisième chose, le team fait très bien de déposer une motion de censure, mais il ferait mieux aussi de prendre la place du chef de l'opposition, ou à la limite, le député Roland Ratsirak. De son côté, la députée du groupe parlementaire IRD, Lantra Koutmang, de dire qu'il est vrai que les députés ont le droit de faire une motion de censure, mais que la seule décision de changer ou non les membres du gouvernement ne devrait revenir qu'au président de la République. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a félicité les efforts des chercheurs et scientifiques malgaches sur la lutte contre la COVID-19 lors du passage des membres de sa délégation. Dans le pays, le 14 février dernier, Madagascar est en effet reconnu comme étant le premier pays africain à avoir trouvé un remède efficace contre la COVID-19. En effet, l'invention du COVID organics préventif a abouti au COVID organics curatif en gélule. L'étape suivante est la demande d'autorisation de la mise en vente sur le marché auprès de l'Agence du médicament de Madagascar, ou AMM. Rina Souramanawoudj, Yves Rassat. Des chercheurs du CNARP, Centre national d'application de recherche pharmaceutique, et les responsables de Pharmalagas affirment avoir obtenu des résultats satisfaisants dans les essais cliniques réalisés sur le CVO plus curatif. Le COVID organics sous forme de tisane disponible en bouteille ainsi qu'en poudre en sachet pour faire des infusions a été lancé au mois d'avril 2020 en pleine crise épidémique du coronavirus. En octobre 2020, lors du lancement officiel de l'usine Pharmalagas, ce remède a été proposé sous forme de gélule dénommée CVO+, mais quelle que soit sa présentation, sa fabrication se fait à base de plantes appelées Artemisia. Au début de l'épidémie, le CVO a été présenté comme un remède miracle contre la COVID-19 par le président de la République, Andry Rajoelina. Depuis, le gouvernement ne cesse de faire sa promotion. Les essais cliniques sur le CVO+ curatif menés auprès de 339 patients atteint de COVID-19, aurait montré un taux d'efficacité évalué à 87,1%. Le médicament pourrait être ainsi utilisé pour traiter la COVID-19 sous forme légère et modérée, selon l'investigateur principal, le professeur Akutwalsan Olive, et à la fois chercheur scientifique. Les malades de la COVID-19 auraient retrouvé la guérison dès le 14e jour du traitement. Les patients ont été observés pendant 60 jours dans le cadre des essais cliniques et aucun d'entre eux n'aurait développé la forme grave de la maladie ni présenté un effet secondaire. Aucun des 339 patients n'ont par ailleurs rencontré le moindre problème sanitaire lié à l'ingestion du CVO+ curatif. L'essai clinique phase 2 du CVO+ curatif a été mené du juillet à septembre 2020 afin d'évaluer l'efficacité de l'artésunate injectable. L'essai clinique phase 3 a ensuite été mené de janvier à mai 2021 afin d'évaluer l'efficacité du médicament dans le traitement du coronavirus. Une équipe de l'OMS comprenant des membres de comité consultatif régional d'experts sur la médecine traditionnelle pour la riposte à la COVID-19 a rendu visite du 14 au 18 février 2022 aux autorités politiques de Madagascar et aux institutions impliquées dans le développement du CVO+ curatif pour le traitement de cette pandémie. Après avoir fait le point des essais cliniques sur le CVO+ curatif, la mission a recommandé aux sponsors de passer à l'étape de dépôt d'un dossier complet de demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'Agence du médicament de Madagascar. Les résultats de cette phase pourraient servir de base au pays pour envisager une étude multicentrique comparant le CVO+ curatif au traitement standard avec un nouveau protocole. Par ailleurs, la mission a noté avec beaucoup de satisfaction des bonnes pratiques, notamment le Centre national d'application de recherche pharmaceutique, un des 2 centres nationaux de recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui dispose en son sein d'une unité de recherche clinique avec des chercheurs expérimentés et des infrastructures adéquates. Le pays dispose également d'une chaîne complète de valorisation pharmaceutique allant de la culture des plantes médicinales jusqu'à la mise sur le marché de médicaments efficaces et de qualité, en passant par le partenariat public-privé pour la fabrication industrielle, sans oublier l'engagement et l'implication des responsables de la médecine traditionnelle auprès du ministère de la Santé publique. L'OMS a félicité l'engagement des autorités nationales, des chercheurs et du peuple malgache, et cela l'encourage à soutenir davantage Madagascar dans les efforts de recherche et développement de médiation contre la COVID-19. Le président du conseil d'administration de préciser que Madagascar a été le premier pays africain à avoir touché un remède efficace contre la COVID-19. Les pays africains tels que la Zambie ou encore l'Afrique du Sud
attendent de juste l'approbation de l'OMS pour pouvoir utiliser le remède Covid Organics. Et les commandes des autres pays sont également en vue, continue Ulzone Rabonne à ce jour. La société UAWEI Madagascar fait don de riz de luxe de 500 kg, 100 g de sucre et 100 barres de savon pour l'association Veivavi Andenfirenina. Il s'agit d'une part de contribution de la société en matière d'aide sociale. La donation a été effectuée hier dans les locaux de la société UAWEI Madagascar en Kourdjano, Sibéliar de Mazav et Yivrasata. L'entreprise Huawei est présente à Madagascar depuis 16 ans et a toujours témoigné d'une forte contribution dans le domaine social. Depuis l'année 2020, Huawei Madagascar a marqué son soutien à l'association VAF ou Veivavi Andenfirenin à travers des dons et actions dans la scolarité et la formation des femmes et des enfants défavorisés dans la région d'Alot. Cette dernière, qui a fortement souffert des dégâts causés par les intempéries survenues à Madagascar récemment. Cette aide est donc judicieuse, selon la présidente de l'association. Le don comprend des vivres, à savoir des sacs de riz de luxe de 500 kg, 100 kg de sucre et 100 barres de savon. Ils seront distribués essentiellement aux plus démunis et aux plus vulnérables, selon toujours la présidente. Une geste qui entre aussi dans le cadre de la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. La donation a été effectuée hier dans les locaux de la société UAWEI Madagascar à Nkourndjan. Actualité internationale, 10 jours après le début de l'invasion russe, plus d'1,2 million d'Ukrainiens, dont des enfants, ont fui le pays. En plus de l'exode massif, beaucoup d'enfants ont été blessés ou tués depuis le début de la guerre. Selon Philippe Cory, directeur adjoint de l'UNICEF en Europe et Asie centrale, 5 millions d'enfants sont traumatisés par ce conflit en Ukraine. L'UNICEF dénonce également le bombardement russe sur les écoles, les orphelinats ou les maternités. France 24. Depuis les hôpitaux ukrainiens, les médecins multiplient les alertes. Des enfants blessés, parfois tués et souvent traumatisés, comme ceux de Natalia, réfugiée dans le métro à Kiev. Le soldat a dit « Courez vite !» C'était très effrayant. Le petit de mes fils courait, il criait « plus vite, on nous tire dessus, on ne va pas survivre !» Et nous sommes venus ici. Maintenant, mon enfant a peur de sortir, il pleure tout le temps. Maman, pas la nuit. Mon fils aîné a crié dans la nuit. Maman, à l'abri. Beaucoup de ces enfants sont contraints de quitter l'Ukraine dans des conditions éprouvantes. Plusieurs jours de route et des heures de marche avant de pouvoir être mis à l'abri. Sur leur parcours, les équipes de l'UNICEF tentent d'apporter le nécessaire aux familles sur le chemin de l'exil. C'est la fin de cette édition. Encore merci de nous avoir suivis et je vous invite à 19h30 pour la version Malagasy. À tout de suite et au revoir.